comme vous l'avez dit, Tawari, il a peut-être de l'agacement. Ils se disent, est-ce que vous pouvez aller voir à gauche au niveau des autres équipages? Est-ce que leur choix de cap fait la différence? Pour l'instant, en tout cas, Shelva reste assez haut au niveau donc quasiment de la droite de Reyatea. Et ça surfe de temps en temps. Ils ne se précipitent pas. Hein. Ils ne sont pas en train justement de trop envoyer, de trop cramer les cartouches. Regardez, ça glisse quand même. Ça glisse assez tranquillement. Ça repique au niveau de la rame pour chercher l'impact et chercher à entretenir cette vitesse. Regardez, là, le creux, on est dedans et ça surfe là. Regardez. Waouh! Là, il y a de la sensation. Il y a de la glisse. David Tepava qui donne les indications à son capitaine également. Rehere Tavayare et Poutou Lister qui sont les deux moteurs. Richie Labey également en deux. On a du tarot, hein, comme on dit, on a de la puissance. Et puis même également devant avec Narea Geoff Ahoro ou encore en 5 avec Brice Pounoua Tahitoua qui essaie de soutenir David Tepava dans la glisse. Mais là, Shelva ne se précipite pas. Ils sont seuls sur leur cap. Mais on verra au niveau du rapprochement de la passe de Reyatea si ce choix est décisif. Shell qui est favori, bien sûr. On a entendu parler de quelques dissensions au sein de l'équipe. C'est le cas dans toutes les équipes. On ne sait pas si c'est vrai, puisque vous savez, le plus grand secret est entretenu autour de cette équipe mythique. Mais Shell est toujours là. Shell est bel et bien présent sur cette première étape. Et ça glisse vers Reyatea, c'est incontestable.